get a job, cause I need the bread. But somehow I know it's gonna affect my head. What a bath and dresses and a fancy car. So I better go out looking for my lucky star. Un mur vierge, mais plus pour très longtemps. C'est une fresque de 110 mètres de long qui verra le jour sur l'une des rues du Palais des Sports Robert Charpentier à Issy-les-Moulineaux. Le 10 et 11 avril prochain, on va en fait réaliser la fresque L'Armature, qui est une fresque qui va regrouper une vingtaine d'artistes graffiti sur la ville d'Issy-les-Moulineaux. On a choisi cet endroit pour la fresque parce qu'on pense que c'est vraiment un endroit propice pour intégrer le graffiti dans la ville et que c'est un endroit très intéressant pour pouvoir présenter des artistes. Grande première dans la ville, les lycéens sont déjà conquis par l'idée de la fresque. Génial quoi que l'art de la rue puisse arriver là où il doit être, dans la rue quoi. Ça décore quoi, parce que là ça ressemble à rien. Que ça reste harmonieux et que ça reste quand même artistique, quoi. Voilà. Que ça soit quelque chose de réfléchi. Parce qu'en soi, c'est, moi, je considère que c'est de l'art, le tag. Hein. Voilà, bah, c'est vrai. Je pense que c'est un dessin qui est bien fait, moderne, qui est vraiment un graffiti, genre, plus une peinture un peu artistique. Et je pense que ça peut être sympa. Il faut graffer, il faut tout, il faut tout graffer, là. Tout graffer. Bah oui, bien sûr, attends. Quel est l'objectif de cette fresque pour l'association ICN 2HD Records qui organise l'événement ? C'est une fresque qui est associée au festival Hip Hop Armature, dont le but est de créer une interaction entre les différents acteurs du mouvement hip-hop et donc ici, entre l'ancienne et la nouvelle génération du graffiti. Rendez-vous samedi 10 avril, rue Charlot, dès 10h, pour le premier coup de bombe.